morning, everybody. Well, welcome to the final day of the IOM Council. And as in previous IOM Councils, one of the really special events is the presentation of the migrant voices. In IOM, we've been particularly concerned about the perception of migrants for some time. And this year, it's become particularly difficult and toxic, shall we say. We've seen anti-migrant hostility and violence increasing. One of the things that we're particularly concerned about is changing the perception of migrants in a positive way. So in response to the growing concern and alarm indeed about negative perceptions of migration, xenophobia against migration, in particular xenophobia and hate speech in the digital space. So it's a place where we think we need to communicate far more effectively with people, that the image that comes into somebody's mind is not a negative image, but more a variegated image which shows the full layered meaning of migration in all its ways. And so the campaign basically looks at the point of view that in any large crowd, here we have Grand Central Terminal in New York, there would be a huge and disproportionate number probably of migrants. And the migrants of course come from all over the world, and we want to make the point very strongly that every country has people that it is inordinately proud of, and some of them I'll be introducing you to in a few minutes. And every country knows the story of its migrants, of its diaspora, whether through regular or irregular channels, it doesn't actually matter, and have done well and are doing their country proud in return. For the migrants panel, we have two fantastic guests, and we hope for a lively discussion with you all. So to my right, I have the Burundian singer Kaja Nin. Burundi is going through a very difficult time at the moment, and Madame Nin has been an extraordinary voice for moderation and toleration in her country. She was born in Burundi, is the youngest of a family of eight. She has an exceptional singing voice, although she insists that she's in retirement at the moment. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you very much. Je suis une artiste à la retraite, c'est vrai. Je suis burundaise, c'est vrai aussi. J'ai été aussi pendant 15 ans ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. J'ai été ambassadrice de bonne volonté de l'Observatoire ACP sur les migrations. C'est là que j'ai eu la chance de rencontrer l'ambassadeur Swing, que je commence par remercier de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être ici et de représenter ces migrants volontaires ou involontaires qui, à leur manière, contribuent aussi à faire grandir les pays du Nord. Alors, la migration. La migration humaine est définie comme un déplacement du lieu de vie d'individus. C'est un phénomène aussi ancien que l'humanité elle-même. Aujourd'hui, dans les camps, dans les déserts, dans les mers, des gens circulent. Des millions de gens circulent parce qu'ils ont fui leur pays. Les causes des exodes sont multiples, mais les conséquences sont toujours les mêmes. Qu'ils soient chassés par la violence, par les guerres, par les sécheresses, par les inondations, ils se retrouvent sur les routes, seuls, démunis, avec comme seul bagage l'espoir. Quand les guerres et les pauvretés, les inégalités ou les changements climatiques inversent irréversiblement les moyens de subsistance, les uns quittent les villages pour les villes et les autres quittent les villes pour se jeter à la mer. Je suis née à Gitega et j'ai grandi à Bujumbura, qui est notre capitale. À 16 ans, avec la bénédiction de ma mère, j'ai quitté la maison. Je suis partie étudier à Kinshasa. Première migration. À Kinshasa, j'ai rencontré celui qui devait devenir mon mari. Ça, c'était longtemps avant Jackie X. Parce qu'on a droit à plusieurs chances, quand même. Non, je ne me suis pas trompée, malheureusement. C'est la vie qui en a fait ainsi. À Kinshasa, donc, j'ai rencontré mon mari, un belgo suisse, un migrant. Et nous sommes partis vivre en plein cœur de la forêt équatoriale de l'Ituri, dans le nord-est de ce qui s'appelait à l'époque le Zaïre et la RDC aujourd'hui. Nous tenions une petite auberge qui était très appréciée des voyageurs et des touristes de passage dans la région.
J'ai donné mon fils, des naissances à mon fils dans un petit hôpital, tout petit hôpital situé à 60 km de piste de là, près de Bounia. J'avais 19 ans. Et la gynécologue qui m'a accompagnée était américaine et la sage-femme était suisse, deux migrantes. Nos voisins les plus proches étaient des Pygmées, les Pygmées Mbuti. C'est un des nombreux peuples qui vivent dans la forêt du Bas-Congo. Mais les Pygmées Mbuti ont été aussi contraints de quitter leur lieu de vie. L'exploitation forestière intensive, l'agriculture à grande échelle, les guerres et les trésors enfuis dans leur sous-sol les en ont chassés. Ils vivent aujourd'hui dans un état de pauvreté extrême, souvent dans des campements sauvages aux limites des territoires qui étaient autrefois les leurs, et d'autres partent se perdre dans la ville. En suivant la définition, les Pygmées Mbuti sont aussi des migrants aujourd'hui. Il y en a partout. J'étais très heureuse au milieu des petits hommes et des grands arbres, mais l'axe routier qui reliait Kisangani à Goma était devenu impraticable. C'était une succession d'énormes cratères de boue. Alors, plus de route, plus de voyageurs, plus de voyageurs, plus de travail. Plus de travail égale départ. En 1980, nous avons quitté la forêt pour la Belgique. Troisième migration. Donc, deuxième migration. Ce départ qui devait être temporaire, nous étions là juste pour retrouver un travail et repartir en Afrique, quelque part dans les villages ou dans des endroits reculés. Mais la vie en a décidé autrement. En 1980, donc en arrivant, j'ai d'abord perdu ma mère. Et à peine un an après elle, en 1981, c'est mon mari qui est mort. Un cancer fulgurant. Et je n'avais jamais rêvé de vivre en Europe, ailleurs qu'en Afrique, jamais. J'étais bien sur mon continent. Mais j'avais 22 ans, j'étais orpheline, veuve, sans un sou, dans un pays inconnu et avec un petit garçon d'à peine 3 ans sous les bras. Alors où aller dans ces conditions? Donc je suis restée. Je ne l'ai pas regretté, mais je suis restée par obligation. Et c'est ma voix qui m'a sauvée. C'est la musique. C'est la musique. Quand j'ai rencontré un musicien qui s'appelle Nicolas Fisman, c'est là que nous avons commencé à écrire. Et j'ai eu la chance que ça ait marché directement. Donc, fini les petits boulots, fini la galère. J'ai commencé une autre vie. Mais pourtant, j'ai abandonné la musique pour me tourner vers mon continent. Je vis la moitié de l'année au centre du Mali, dans un tout petit village. Et pourquoi? Pourquoi au milieu des villages? J'aurais pu aller à Bamako, ou je ne sais pas, au Dakar. Eh bien, pour apprendre. J'avais envie d'apprendre. J'ai parcouru plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, du Nord au Sud, d'Est en Ouest, mais vraiment en voiture et en totale autonomie. Donc, ça laisse du temps de rencontrer, de voir, de participer même. Mauritanie, Sénégal, Gambie, Niger, Mali, Burkina, Ghana, Togo, Bénin. Ça fait beaucoup. Observer, écouter et essayer de comprendre. C'est comme ça que j'apprends et c'est comme ça que j'aime apprendre. Dans mon village, tout le monde se lève et se couche avec le soleil. Entre les deux, ça travaille dur, mais la récolte est de plus en plus petite. Et les villageois qui ne comprennent pas disent les pluies ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Quelque chose a changé dans le ciel. Mais ce quelque chose, c'est le climat. Et les jeunes s'en vont. Ils migrent vers les pays voisins, travailler dans des mines ou dans des grandes plantations. C'est une nécessité. Alors le peu qu'ils gagnent, ils en gardent une partie pour eux et une autre, ils envoient aux familles, au village pour
pouvoir terminer l'année. Mais peut-être qu'un jour, ils prendront le large. Ils ont 17, 18, 20 ans. Peut-être qu'ils traverseront un jour. Je suis retournée à vivre en Afrique et précisément dans les petits villages pour essayer de trouver une idée, une formule, quelque chose qui les retiendrait. C'est pour ça que je suis rentrée. Alors, on fait des petites choses depuis 7 ans avec les femmes, les enseignants. Ce sont des petits projets qui ne nécessitent aucune structure et qui ne bouleversent ni les traditions, ni le mode de vie. C'est petit, mais ça marche bien. J'ai toujours en tête cette phrase de Gandhi qui disait « Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est important que tu le fasses. » Et c'est ce que je fais. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, où en suis-je ? À Malte, il y a 15 jours. Les Européens ont proposé 3,6 milliards d'euros aux Africains en échange, je dis, d'une aide au rapatriement de migrants irréguliers et d'un renforcement des capacités de réadmission des personnes expulsées dans leur pays d'origine. Waouh ! Et en même temps, on a dit 3,6 milliards. Et en même temps, la Banque mondiale annonce qu'en 2014, 60 milliards de dollars ont été envoyés à leurs familles par nous, les Africains de l'étranger. 3,6 milliards. Je ne sais pas si ça peut marcher, cette solution. Parce que cette filière, le moteur de cette filière, ce sont les flux migratoires. Donc comment compenser ce manque à gagner de plus de 50 milliards si on rapatrie les gens? Il faut, je ne sais pas, garder les pieds sur terre, avoir du bon sens, j'en sais rien. Mais je pense que comme ça ne peut pas marcher. Ce sont des pansements sur des jambes de bois qui durent depuis des décennies. Ça fait des décennies que nous recevons des centaines de milliards d'aides au développement et de toutes sortes. Mais moi, j'y vis dans les villages. Et je vous assure que je suis désolée de devoir dire que je ne vois pas beaucoup leurs traces dans le quotidien des gens. Mais bon, c'est comme ça. Et le Burundi, j'ai oublié. Le Burundi. En 91, j'ai signé mon premier contrat d'artiste avec une grande maison de disques. J'ai pris mon fils sous le bras et je suis repartie vivre dans mon pays, au Burundi. J'ai été chassée une première fois par la guerre et la seconde par l'embargo. Parce que l'embargo voulait dire pour moi que je ne pouvais pas voyager, donc pas travailler. Mais je ne sais pas si on comptabilise les migrations vers chez soi. Il y en a deux. On va les laisser, ce sont des petites. Mais mon Burundi aujourd'hui est au bord de la guerre civile. L'ONU dit que les violences liées à la crise du troisième mandat au Burundi ont fait plusieurs centaines de morts et près de 250 000 réfugiés dans les pays voisins. Déplacés, réfugiés, migrants. Fuir la guerre, la persécution ou la faim. Où est la différence? Il y en a une, elle est dans le droit. Parce que le droit est prévu pour les réfugiés politiques. Mais il ne prévoit rien pour ceux qui n'ont plus de récolte parce que le monde de l'autre côté a pollué leur planète et a changé leur saison. Cela, il n'y a rien prévu pour eux. Ça, on peut les appeler les migrants climatiques. Et il y en aura de plus en plus. Et il faudra bien un jour créer un cadre pour eux. Et je vais vous dire, rien ni personne ne pourra empêcher quelqu'un qui est dans un camp, qui n'a rien à manger et qui a des enfants, ou même seul, aucun mur ne l'empêchera de partir chercher mieux ailleurs. Rien. Mais les migrants sont aussi des femmes violées, des enfants abusés et réduits à l'esclavage dans les pays de passage. Ce sont des hommes à la merci des passeurs qui
qui la raquettent et les maltraitent. Et parfois les tuent. On parlait de 5000 morts. Mais les migrants ne sont pas qu'une addition de chiffres. Ils ont un visage, une voix, une histoire, un rêve. Je suis allée les voir en Sicile, il y a 5 jours. Là-bas, j'ai rencontré des adolescents qui ont un jour décidé de prendre seuls le chemin de l'exil. Je vous ai rapporté leurs paroles en images. Quand j'ai pris l'idée de venir ici, j'ai su le danger. Bon, j'ai une idée en tête. Celui qui doit mourir sur la terre ne peut jamais mourir dans l'eau. Et celui qui doit mourir dans l'eau ne peut jamais mourir sur la terre. La mort, c'est unique. I'm very scared. I'm scared. No. I don't even know how to swim. Bon, maman, tout le monde parle de migrants. Je suis migrant aussi. J'étais à New York avec le maire de New York, un migrant. Mais bien sûr, Julien. Ah. J'étais avec le pape, un migrant. J'étais avec le président de l'Amérique, un migrant aussi. Oh, le migrant. Le monde a changé. Le monde est changé. Il n'est pas possible d'arrêter la mobilité. Non. La mobilité est un droit humain. Les droits humains. Les droits humains. Les droits humains. Je suis venu ici pour que je prépare mon avenir. Bon, moi, j'aimerais étudier, essayer de construire ma vie un peu. Bon, essayer de participer au développement de mon pays. Quoi. Et après, tu penses que quand tu auras étudié, tu retourneras? Même si je fais 50 ans ici, un jour, je suis obligé de retourner dans mon pays. Parce que c'est tout moi. Je suis né là-bas, j'ai tout connu là-bas. C'est tout moi. La mobilité, elle fait un droit, pas un privilège, pas une condamnation. Il est attaqué dans mon foyer. Il m'a tiré ici, là, il est sorti par ici. Lorsque l'Ebola est rentré dans notre pays, les gens morts, j'ai profité de rentrer au Mali. Je n'ai pas quitté mon pays pour venir ici directement. Je n'avais pas cette idée-là. Je voulais juste me construire un peu, juste à côté, en Algérie, me construire un peu et puis retourner. Après, à Alger, ça a commencé à aller bien. Mais à la fin aussi, et aussi ils ont commencé le racisme. De change, de négro, comme ça. Bon, j'ai envoyé un peu au pays, j'ai économisé un peu à côté. Bon, je voulais retourner au Mali, mais je vois que quand je retourne encore, ça revient à zéro encore, quoi. Dans le chômage de l'humanité, il y a la syndrome que j'appelle la syndrome du génocide. Nous avons peur qu'un jour, nous sommes appelés responsables d'avoir tué beaucoup. On avait la salle, ouais, beaucoup de personnes. Quelle autre chose. Pas voir, pas parler. C'est déjà être complice. Ça va pas chez nous, il faut qu'on sorte pour aller ailleurs, pour essayer de nous construire là-bas et puis revenir chez nous. Moi j'ai l'idée que seuls les Africains peuvent aider l'Afrique. Ouais. Ils ont 17 ans, ils ont 16 ans, ils ont 13 ans aujourd'hui. Imaginez depuis combien de temps ils sont partis, à quel âge? Est-ce qu'ils l'ont dit à leur famille? Parce que la première question que j'aurais posée, c'est est-ce que vous avez
prévenu vos mères, vos parents, dire que vous êtes en vie? Vous leur avez dit que tout va bien? Ils ont dit oui, on a envoyé des messages. C'est des enfants, mais c'est des adultes aussi aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime dans ce film, et je ne les ai pas briefés, c'est que ils partent pour chercher, parce que vous m'avez parlé de ces Africains comme nous, dont notre continent est fier, mais ceux dont vous parlez vivent à l'étranger, et moi, ça me fait chaud au cœur d'entendre des jeunes gens qui ont traversé tout ça et qui continuent à dire « Je veux étudier pour aller développer mon pays. » Donc, on est dans une deuxième phase d'Africains qui partent, mais qui ont surtout envie de revenir. Juste avant la guerre au Burundi, jusqu'avant tous ces événements, j'étais en contact avec 35 jeunes gens, mais brillantissimes, hein, de haut niveau, qui ont fait beaucoup plus d'études que moi, et qui sont rentrés, qui étaient rentrés au Burundi. Maintenant, évidemment, ils ont certains d'entre eux fui. Mais j'ai de l'espoir, parce que dans le... Je n'ai pas de mouchoir, je suis désolée. Hein, je n'ai pas fait exprès, je ne me suis pas attendue. Je ne savais pas que ça allait être comme ça. Vous non plus, d'ailleurs, vous n'avez pas de mouchoir. Et c'est ça qui me fait... C'est ça, pour moi, qui me fait chaud au cœur. C'est que dans la tête de nos jeunes gens est née une graine qui fait qu'ils sont fiers d'être africains, qu'ils ont compris combien l'Africain était un grand continent, qu'ils ont compris que nous sommes assis sur les plus grands trésors de la planète dont tout le monde se dispute. Voyez ? Et pour ça, même ceux qui partent vont étudier et vont rentrer pour construire notre pays. C'est pour ça que moi aussi je suis rentrée, pour servir d'exemple, pour leur montrer, pour montrer aux mamans dans les villages qu'avec l'école, leurs enfants, elles seront comme moi, je veux dire, elles pourront avoir une voiture, une grande maison, mais que ça passe par l'école. Mais bon, on peut parler pendant des heures de l'état du système scolaire, mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écoutée et d'avoir reçu mon témoignage. Ah oui, excusez-moi, je vais terminer sur une très belle phrase que j'aime beaucoup et qui résume le tout. C'est de Francis Cabrel qui dit « Quel que soit le prix qu'on se donne, on nage tous dans le même aquarium. » Merci, Mola Kodze. Thank you. Thank you very much, Kadja, for that electrifying presentation. And one of the remarks in the film which struck me was the quote which you said, I think, their only luggage is the hope on the road, which is really so true. And we're very grateful that you today brought us this film as your luggage. This film is for you, for your campaign. If you want to use it, you can. It's my contribution. We certainly do. Thank you. I'm very proud to do so. Thank you. So we'll have some questions in a few minutes, but I'm now going to turn to, on my left, we have Guy Nook, who, if I may just say that at the last year's Migrant Voices, we played another film, which was called, or an excerpt from a film called The Good Lie, and it focused on the lost boys of Sudan. Well, here today beside me, I'm very proud to introduce indeed somebody who was one of those lost boys of Sudan and who left Sudan on foot and traveled over 500 kilometers with his brother to Ethiopia and lived that life which we've seen on the big screen, but which is indeed a very real and important story. And more to the point of the theme of today, Guy is today a South Sudanese diplomat in the American Foreign Service. So he's traveled not just a geographical journey, but a huge personal and career journey, and we're absolutely delighted to have you with us today. First, I'd like to say thank you to everyone that's here today and to the IOM. My journey started with IOM started 14 years ago when I was in a refugee camp in Kenya. I was being resettled to the United States, and IOM was one of those organizations that was very instrumental in my resettlement. But before that, I had trouble. I had
you know, been searching for refuge. A long time before that, I was born in South Sudan, in a small village, in a small town along the Nile. During the 1980s, the war in South Sudan, intensified. Lots of villages were burned down, a lot of towns were destroyed, and young people, young men were being targeted. My family, they were small farmers, subsistence farmers. They farm and grow their own food. And you know, life became increasingly difficult for them and many other villages in the countryside of South Sudan. So we were forced to, you know, basically leave our homes. You know, villages were being burned down. There was war everywhere. We didn't have an option but to escape the country. And this is when we started walking toward Ethiopia. The journey was about, you know, 500 miles. We did not have much to eat. We ate fruits from the trees along the way. We didn't have water, so we had to, you know, rely on water that we found in the ponds along the way. We didn't have any clothes on. We didn't have shoes on, so we had, you know, blisters and, you know, calluses developed on our feet. So when we reached Ethiopia, we stayed there for a couple of years. You know, this would have been 1990-1991, around that time. We stayed in a UN refugee camp in the western part of Ethiopia. Life was a little bit better. UN provided food for us, but nothing was permanent. And soon after, the war in Ethiopia. At that time, it was there was war going on in Ethiopia at that time, and in 1992, it came to the region that we were. You know, so we were caught in the middle of the Ethiopian war. You know, so we had to escape back to South Sudan, even though it was not any better. Many of us along this second journey people were shot because we were caught in the war. Some of us had to cross rivers, and we could not swim. There was about 20,000 of us. We were called the Lost Boys. We were between the age of, you know, maybe 5 years old to 10 years old. We did not have, you know, parents. We did not have anybody with us. And we had to cross back into Sudan. Many of us lost our lives. Many of the young people did lose their life. And I was with my brother. So my brother, you know, helped me along this journey. You know, when we came back to South Sudan, it was not safe. And the war was still everywhere. So, you know, we decided to continue walking, you know, toward Kenya in the southern, in the south, in toward the southern part of southern Sudan. You know, we walk basically it's like the same journey that we took in the first place. Walk toward Kenya, and in Kenya we were welcomed by UNHCR. A refugee camp was set up, you know, for us, for the Sudanese refugees. We arrived in Kenya in about 1993. And so the refugee camp that I stayed in was called Kakuma Refugee Camp. You know, we stayed there from 1993 until the time that I was resettled, you know, to the United States. The UN was was basically our life savior at that time. The UN set up that refugee camp. They provided with us shelter. They provided with us education. I was able to go to school in Kenya. And when we first got there, there was not, it was just basically an empty area. So we would just, you know, settle down. We, you know, people build huts and we build tents. And the first 3 years that I was going to school, actually, was going to school under a tent because there was not many educational facilities. So my first grade, second grade, third grade, I was under a tree, you know, learning. With many people that were also eager to learn. I would have been one of the youngest in the class, but there were also, you know, people in their teens, young people that were in their teens that were, you know, doing first grade, you know, because this was their first opportunity for them to go to school. And they're very excited, you know, to be able to go to school and hopefully in the future provide for their families and for their country. Luckily for me and for us, you know, Kenya, that part of Kenya was very dry, so it was okay to take classes under a tree. It never rained, and I was able to do this. And you know, by the time I went to the U.S. in 2001, you know, I was in sixth grade.
Life in Kenya at the refugee camp was difficult. Food rations were provided by the UN, but it was always not enough. We had about 3 kilograms of, wheat flour every 15 days. And that usually finished, within 10 days. And then the last 4 or so days, you had to share food, with your relatives and other lost boys and other people in the community, because it was 3 kilograms is really not enough food for 2 weeks. So life in Kenya for us, it was better than what it had been in South Sudan, but it was not life that most people, had aspires for. And people were eager to go somewhere else, come to the West and, be able to maybe go to school and make a life for themselves. So it was always in the back of our head to look for opportunity elsewhere. And in 1998, 1999, the United States decided to resettle, some of the lost boys of Sudan. And so the program started in that time, and it took about 2 years for us to be fully, to be interviewed and go through the medical clearance and things like this. And this is when the IOM came through, and they helped us, basically train us and see how they could help us adjust to the life in the United States. There was orientation, sponsored by the IOM. And I can remember when I was in that class, orientation class, many of us were going to the United States, and some places within the U.S. were extremely cold. So to make us really understand how cold it was, they passed a piece of ice, along the room, and we had to touch the ice, and it was really, we were amazed on how different it was really, because we were in a very hot area. So I'm very grateful, to the IOM and to the countries that, support the IOM, but for what they do, for migrants. When I was leaving the refugee camp in Kenya toward New York City, I had all my documents in a small bag, IOM bag, and I can still remember those days, those good times. And when I went to the U.S., I was 15 at the time. That was 14 years ago. And I was placed with an American family. Since I could not take care of myself, my brother also came, but he was older, so he had about 3 months to adjust and be able to look after himself in the United States. I was put in an American family, so they welcomed me as one of their son. I went to high school, and also to go back to the refugee camp, I had only finished 3 years of school at the refugee camp, provided by the UN, but 6 years, I should say. And, when I came to the U.S., I went to 9th grade, so the education that I received at the refugee camp I was very grateful, because it allowed me to, jump basically 3 grades, and, from 6th grade to 9th grade. So also I'm very fortunate that the UN did that for us. I finished high school after 3 years there in the States, and I was able to go to a college in my hometown. And after that, I just got my master's degree in the United States, and before I can go there, I like to say when I came to the U.S., many organizations, many faith-based organizations, civil society organizations, they were very eager to help us. They could see that they really appreciated the idea that many of these refugees, we were coming to their country. We were escaping persecution, and many Americans were very happy to see that their country was basically a safe haven, for people running away from persecution. So they helped us. They took us shopping. Some of us taught us how to speak English. We took ESL classes, and basically provide food for us and help us with anything that we needed. So I was very fortunate in that sense, and especially for my brother, who was older, and who had to be on him by himself, within three months. So because of this support that we received when we came there, we were able to adjust, to life in a new country, and I was able to go to school. I was able to continue to, further my studies. So that's that was my journey. Recently in September, I just became, Foreign Service Officer, and now I'm working for the U.S. government.
So I'd like to be, you know, I'm very thankful to all of you and to everybody, you know, that'll have, you know, refugees and migrants around the world. So thank you. Thank you very much. For organizing this session and for giving us the opportunity to listen to Guy's story, Kaja's story, Jabril's story, and to really put a human face on migration, and a chance to really be reminded that our work together is much more about migration, but it's really about people and the human experience. So thank you very much. These compelling, positive perspectives on migration are essential to changing the narrative, especially the narrative that's out there today. There are countless migrants like Guy, Kaja, and Jabril who are making valuable contributions, and we all need to make every effort in our home countries to make their stories known. The experience of Guy and others also point to a very important reality, that migrants can, and in many cases are, integrating very effectively. And it's particularly important at a time that there's been a recent uptick in very disheartening narratives related to migrants and migration. That the integration, it doesn't have to take years, doesn't have to take decades, or in some cases, you know, generations. Guy's integration began immediately, as did his brother's. The same holds true for many migrants. And there are really a whole host of ways that governments can facilitate this process. The key elements of the U.S. resettlement system include coordination with local communities, NGOs, and local authorities, and providing access, as Guy mentioned, to education, and also to employment opportunities. Facilitating access to employment is really essential to allowing the immigrants to unleash their potential and the unique talents that we've heard just from our speakers that they bring to our communities, and to unleashing their ambitions. Now, in Guy's chosen profession, and we're very proud of him, he will enter a selective form of public service as a diplomat. Although many years ago our foreign service was subject to criticism for its lack of diversity, we've really been working hard and have made great strides toward greater equality and greater opportunity. Clearly we all have more to do in this area, but there's a principle here that applies to migration. The prospects for successful integration and migration management hinges in part on the emphasis we place on human rights and on democratization. So lastly, let me just say, Guy, thank you to you for sharing your encouraging, inspiring, and fascinating personal history. I had a chance to get to know you over the summer when you interned at our mission, and just getting to know you and getting the opportunity to work with you has had a really big impact on my life, and I just wanted to let you know how incredibly proud we are of you, how incredibly grateful for international organizations like IOM that have helped so many people with dreams like yours become a reality. So thank you very much, and thank you for coming back to Geneva to share your story with us. Je voudrais remercier les intervenants de ce matin, donc en tant que migrant, mais ma question, je vais plutôt la poser à Madame Kaja. Elle qui a pu, en tant qu'Africaine, vivre cette migration qui est partie d'un pays du Sud pour d'autres pays du Sud. Et au regard de ce que nous avons suivi, ce qu'elle a fait comme film, ou bien ce qu'elle nous a présenté, la situation qu'elle a vécue avec les migrants en Italie, au regard de tout cela, et au regard aussi du combat qu'elle mène, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Toute seule, c'est vrai, elle ne peut pas, mais qu'est-ce qu'elle pourrait préconiser pour nos pays africains? Pourquoi je le dis? Parce que, en fait, la migration, lorsqu'elle va du sud vers le nord, les gens ont plutôt tendance à croire qu'effectivement, les gens viennent
parce qu'ils veulent venir gagner de l'argent, parce qu'ils veulent venir devenir riches comme les gens qui vivent dans ces pays. Mais en fait, lorsqu'on regarde le documentaire qu'on a suivi, le jeune, il dit, moi, je veux apprendre, avoir des connaissances, une expérience et repartir chez moi pour développer mon pays. Je crois que là, il y a quelque chose qui a changé. Les jeunes actuellement, effectivement, je crois qu'ils ne veulent pas tous venir en Europe pour rester. Moi, je suis africaine. Je cause avec certains jeunes qui sont aussi de mon pays quand je les retrouve ici en Europe, notamment en France. En Suisse, peut-être pas, mais surtout quand je vais en France, j'en croise souvent et je leur pose des fois des questions. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous avez un bon job? Est-ce que vous avez fait des formations? Est-ce que vous comptez repartir au pays? Effectivement, nombreux disent qu'ils veulent repartir au pays. Mais au regard des situations politiques qui prévalent chez nous, les petits ne sont pas boostés, quoi, ils ne sont pas stimulés. Ils se disent, mais on va repartir au pays, même si j'ai une formation. J'arrive au pays, est-ce que j'aurai une ouverture pour pouvoir exercer dans le domaine qui est devenu le mien? Est-ce que je pourrais être accepté en tant que migrant, parti en Europe, revenu? Est-ce que je pourrais être accepté facilement? Parce que les gens vont se dire, oh, écoutez, il est resté 10 ans, 15 ans en Europe, on ne sait pas ce qu'il est revenu faire. Ça aussi, c'est des comportements que nous trouvons chez ceux qui sont restés au pays. Ils ont plutôt tendance à stigmatiser ceux qui sont partis parce qu'ils se disent que quand ils reviennent, ils viennent pour prendre aussi, se partager le gâteau avec eux, surtout au niveau de l'administration. Encore, ceux qui se mettent dans le privé, ça peut passer. Mais quand ils viennent travailler dans l'administration, c'est plus difficile encore. Donc, j'aimerais quand même poser la question à Mme Kadja. Qu'est-ce qu'elle compte mener comme action? Parce que là, je la vois, là, elle a été ambassadrice de bonne volonté, elle mène quand même certaines actions, elle côtoie certaines personnes, elle va dans certains milieux. C'est pourquoi je lui pose un peu cette question, je ne sais pas si elle pourra me donner une réponse. Merci. Merci ma sœur, mais c'est... vous avez déjà beaucoup répondu à votre propre question, vous savez. Eh bien, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, enfin, ce que moi, je peux faire, c'est peu de choses, comme a dit Gandhi, mais il est important que je le fasse. Donc, je n'ai pas de pouvoir au-delà de... pas plus que vous. Je ne suis qu'une artiste, je suis une femme, je suis une mère, je suis une citoyenne. Tout ça, c'est bien. Quelquefois, certaines portes s'ouvrent, mais pas aussi haut que je le souhaiterais. Et puis, même ceux qui m'ouvrent la porte là-haut n'ont pas les mains aussi libres qu'ils ne le prétendent quand ils veulent qu'on les élise, vous voyez, et qu'ils nous font des promesses qui ne tiennent pas. C'est sûr. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, ça ne marche pas. Le problème vient de chez nous. Comme a dit le jeune homme dans le film, il a dit c'est, l'Afrique sera sauvée par les Africains eux-mêmes. Je pense que, et pour ce qui est des jeunes qui retournent, c'est ce qu'on appelle, ils sont heureux même de s'appeler la génération consciente. C'est une nouvelle génération qui se sent très africaine, qui se sent très engagée grâce aussi aux réseaux sociaux. Donc, ils se parlent, ils échangent et ils ont cette envie de rentrer. Peut-être que ce n'est pas cette génération qui va rentrer, peut-être que c'est celle d'après, mais la graine est plantée. Et je vais vous dire, ceux qui repartent pour l'Afrique ne repartent pas pour aller travailler dans l'administration en général. Ils repartent pour créer. Ils créent des petites boîtes, je ne sais pas, il y a de toutes sortes. Ils créent, ou alors ils trouvent des emplois dans des organismes internationaux parce qu'ils parlent plusieurs langues, ils ont une expérience. Donc ils ne retournent pas là-bas pour chercher du travail. Ils retournent pour en créer. Ils retournent avec l'idée qu'ils peuvent être utiles, ils ne savent pas très bien comment, et ils ont envie de rentrer chez eux. Parce qu'aujourd'hui, ils ont vu qu'au fond, même si on est pauvre, on vit mieux chez nous que là-bas. Mais pour ce qui est de moi, j'ai décidé de retourner en Afrique, de faire des petites choses. Par exemple, dans mon village qui compte, je sais pas, 500, 700 âmes, comme on dit, on a créé une association de femmes. Parce que voilà, moi je me dis que quand on, c'est comme l'UNICEF, quand on attrape la femme, on a l'enfant. Quand on a la maman, on a l'enfant. L'enfant tout seul, ça ne marche pas. Donc je m'adresse aux mamans, en général. Et là, nous avons créé donc notre petite association, chacune cotise, etc. On a un moulin à mille qui nous rapporte un peu. L'idée, ce n'est pas de faire des choses spectaculaires. Mais l'idée, c'est de, avec elles, en comprenant comment elles vivent,
voir comment, sans changer leur mode de vie ni leur tradition, améliorer leur vie pour qu'elles aient des revenus, qu'elles n'aient plus besoin de la petite et que la petite puisse aller à l'école. C'est ça mon truc à moi. C'est pas de changer le monde. Mais sachez qu'au bout de 3 ans, elles sont venues me trouver. Elles m'ont dit, voilà, maintenant on a une petite caisse, voilà, on a cotisé beaucoup. Et on a réussi à cotiser 500 euros, l'équivalent 325 000 CFA. Et on est venu te demander ce qu'on peut en faire. Je dis, moi, c'est vous qui savez. Alors, elles ont décidé. Enfin, pour résumer, nous avons notre petite banque dans notre village en partant de ces 500 euros. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'est une vraie banque. Elle se prête entre elles, mais avec intérêt. Et ça, j'ignorais. Je pensais qu'elle prêtait, qu'elle remboursait. Et c'est en train de changer doucement, même la perception de leurs époux sur elles. Parce qu'elles, elles sont les seules à pouvoir aller emprunter dans notre petite cagnotte. Vous voyez, c'est peu de choses. Mais le reste, ça me dépasse, comme vous. Même ici dans la salle, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut se lever et nous dire « Je vais parler à un tel et à un tel et on va trouver la solution. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça marche avec la stabilité, ça marche quand il n'y a pas de guerre. Parce que s'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Et puis alors, permettez-moi, je ne peux pas partir sans le dire, il y a la corruption. Et ça, c'est le fléau numéro 1 chez nous. Mais pour être corrompu, il faut des corrupteurs. Donc il y a des jeux que je ne comprends pas, politiques, qui me dépassent. Donc je m'attache à ce qui est à mon niveau. Et j'espère créer des émules. J'espère trouver une idée, une formule qui se duplique et qui fait qu'on sorte de cet regard tendu vers le haut qui va nous apporter notre futur. Parce que ça fait 50 ans qu'on attend. Moi, je ne vois rien. I just want to underline maybe one point. I see three narrations in terms of when we deal with this issue. There is a positive narration that is really advanced by IOM. You know, they want to help people look at the root cause of the problem. There is a second narration, which is a politically and financially motivated narration. They have their own narration, be it for a regime change or financial benefits, because you see some kind of NGOs under the name mushrooming when there is an international crisis of such a magnitude. The third narration is the emotional narration, where you know political groups would you know capitalize on this, which is that's what we see now in Europe. You know, the emotional narration where they say they become anti-immigrant because they capitalize to a certain limited constituency. So I think when we deal with this issue, all of us here care. You know, I think I don't question anybody who's in this room has any other motive except the positive narration. So let us all scratch the surface, look at this issue, and let us sincerely concentrate on a fact-based, credible sources, then and only then will help the migrants, no matter whatever we want to call them, whether they are illegal migrants, legal migrants, whatever, human traffickers and all these things. So thank you for this program. Let us all concentrate on the victims and their future. Let me say that what we have heard here today has been very touching. I think Madam Neen covered it all. All aspects of migration, and I want to thank her for that complete presentation. But I would like to make a particular comment on Guy's presentation. I have 2 points that come out of this that are very relevant. One is the importance of education of refugees in general, but migrants. Migrants in general, but refugees in particular. I mean, he made a point about having 9 years of education in the refugee camp, which served him in good stead, because most of the time, people are not so convinced on the need to spend on education of people who are waiting in refugee camps. So I think that is a very good point that comes out here. The second point is that of resettlement. Resettlement gave the opportunity for Guy to get to the US, finish his education, and be able
able to be employed in a position that is very important. I had a question for him then, because at the time we were very much worried about your family back in South Sudan. Have you been able to maintain contact? Have they been able to have access to family visits to you? I'm just curious to know that. Thank you. Now I am in contact with them, with my mom. She now lives in Uganda. She lives with my sister. In the 1990s and in early 2000, it was difficult for people to move in and out of South Sudan because the whole region was basically a war zone. So it was not easy for them to get out. It was not easy for me to go back in into the country. My sister was with her, and she remained behind in South Sudan. So actually, the last time I saw her was 1993. So it's been 22 years now. I haven't seen my sister, but we do stay in touch now that they live in Uganda. And just by hearing their voice once in a while. That is, sufficient. That's enough. They understand it is a difficult situation, but when we can talk, it's something that gives them satisfaction. And yes, I'm a migrant. Hope it changed to instead of IOM to I am an immigrant organization in the future to have the more voice of the migrants. I just would like to share one thing. While we were here yesterday and discussing about immigrants, I have seen the news on my mobile saying that 40 Afghan immigrants who took them, I think, more than 8 months to reach to Turkey, they were forced to be back to Kabul by Turkish Airlines. And among them, several are not Afghans. The police of the airport recognize at least 7 of them, they are Pakistanis. Well, and also the same day yesterday, we had another Turkish airline landing to Mazar-e-Sharif, a city north of Afghanistan, which was carrying 6 bodies from a family with 8 members. So this is just, I want to share a voice of immigrants, a part of what is happening right now in the world. And also to request OIM and the member states for being committed, what are they committing in these international events. I think none of the states member is agree for forcing immigrants to return. Thank you very much. So with that, I'm just going to draw the talk to a close and just ask the Director General briefly if he'd like to make a comment. Thank you very much for this. It's been very inspiring to us. I want to thank you also, Leonard, for your presentation on I Am a Migrant. I think this will be and remain one of our key challenges. How do we change the public perception back to a more historically correct version that migrants have always been key contributors to the development of countries? They have always been overwhelmingly positive force in societies. And so I would urge all of our member states and observers to look at the I Am a Migrant campaign and to see if it's not something that might be useful to you in your own country to counter discriminatory depictions of migrants and help get beyond the very, very dangerous rhetoric that is being so often employed. And let us have your ideas and your suggestions. What do you think about the campaign? How can it be improved? How can it be given broader distribution in the world? And I want to thank Ambassador Hamamoto in particular for her accent on the importance of integration, which may very well be the key to everything else we're talking about, including perception. It's going to be the quality of the welcome
and the smoothness of the integration process that may make the difference in how we handle all of the movements, including the demographic deficit, the competition for skills, the attempt to implement the sustainable development goals, so that we don't waste 3 or 4 years talking about process, but that we get down to action right now. So I think that the presentations this morning have helped us to understand much better why this segment of the council is always among the most popular of the entire 4-day council. So thank you all very much. Really appreciate your coming. Thank you very much, Director General, Deputy Director General, other distinguished guests. Thank all of you for your participation and your presence here. Now, whether they like it or not, I'm taking these two guests upstairs to be interviewed for the I'm a Migrant campaign, so that their own profiles will be present on that. You'll be my captive for the next 15 minutes. Thank you so much, all of you.